En quoi son film est en rien un documentaire ? Un documentaire, d'abord, se construit en enregistrant des moments de vie réelle. Là, le film, on l'a totalement écrit. On a créé des personnages, on les a créés ensemble parce qu'on a travaillé pendant toute l'année scolaire dans des ateliers d'improvisation où moi j'ai appris à les connaître, j'ai appris à savoir ce que je pouvais attendre des uns et des autres. Et puis surtout, le travail qu'on a, le scénario qu'on a écrit condense en une séquence de 5 minutes des choses qui se seraient peut-être produites, d'abord on n'en est pas sûr, mais qui seraient peut-être produites, mais à tous les bouts de l'année. Donc là, on a construit un discours, on a construit une ligne narrative qui soutient tout le film. C'est vrai qu'il y a une impression de réalité, parce que moi, ce qui m'intéresse quand je fais un film, c'est aussi de rendre compte du monde dans lequel on vit, de la complexité de ce monde-là. Et je pense que le quiproquo vient en fait de cette envie d'être assez juste dans la façon dont je restitue les choses, et puis de prendre le temps de laisser les personnages exister, le temps de les regarder vivre, quoi. Et tout ça crée effectivement une espèce de confusion entre un aspect très documentaire qui m'intéresse, mais qui est complètement reconstitué, et une fiction dont on sent bien que pourtant elle est là à travers le scénario que le film déroule. Oui, enfin, c'est sûr que le film est extrêmement bien construit, et en même temps il y a un souci de vérité. Vous avez un souci de ne pas mettre des scènes invraisemblables. Oui, parce que c'est justement l'envie de rendre compte de quelque chose qui ressemblerait au monde dans lequel on vit. Et c'est vrai que du coup, moi, je me suis aussi beaucoup nourri de leur expérience de collégien, de l'expérience aussi des profs, pour construire un discours qui soit plausible, qui ressemble à ce que la vie peut proposer. Et qui en même temps ne soit jamais du coup ne donne jamais le sentiment d'asséner des idées un peu de manière plaquée, voilà, merci. c'est-à-dire que moi j'ai toujours le sentiment qu'une scène qui ne dirait qu'une seule chose trahirait la construction du film, et que là on a plutôt tendance à amener le sens un peu par en dessous à chaque fois, ce qui donne aussi du coup des scènes qui paraissent moins instrumentalisées que souvent dans un scénario. Oui, absolument. Donc j'ai oublié de dire que les enseignants de Dolto jouait dans le film, et que le film était adapté et joué par François Bégodeau. Donc il y avait aussi l'expérience des enseignants et l'expérience de François Bégodeau directement. J'aimerais poser une question à Esmeralda. Esmeralda, vous portez, votre personnage porte votre prénom dans le film. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il vous ressemble ? Bah, un petit peu, mais c'est poussé un peu, je suis pas vraiment comme ça, c'est abusé. C'est un mot d'ailleurs qui revient à quelques reprises, ouais, dans le film. Ouais. Plutôt, ouais. Souvent sans qu'on voit la personne qui le dise, enfin à l'arrière-plan, il abuse. Ouais, c'est moi qui le dis. C'est vous qui le dites souvent ? D'accord. Donc en fait, comment vous avez travaillé ? Vous aviez un scénario, un texte à apprendre, ou est-ce que vous aviez un motif et vous saviez qu'il allait se passer telle chose dans telle scène, dans tel plan ? Non, en fait, on n'avait pas le droit de lire le scénario. Donc c'est Laurent, quand on arrivait, il nous disait par exemple quelque chose qu'il voulait qu'on dise avec nos propres mots, comment on l'aurait dit. Je crois qu'il faut que vous approchiez le micro. Ouais. Et Non. Et voilà. Oui, donc Laurent, vous disiez
de dire avec votre propre mot un motif qui est... En fait, comme quand on parlait de la République de Platon, il m'a dit, par exemple, il m'a donné ce que je devais dire, mais après, moi, je l'ai dit à ma façon, en fait. D'accord. Donc, la République du Platon, c'est à la fin du film où... Il vaut mieux pas dévoiler. Non. Voilà, je ne vais pas dévoiler, d'accord. Mais c'est le seul moment qui... Ah, c'est dit, la bande-annonce le dévoile un petit peu. Mais... Ah, bon, d'accord. Désolée, pardon. Franck, vous ne portez pas le même prénom que votre personnage. Et j'ai l'impression que le personnage ne vous ressemble pas particulièrement. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous pouvez présenter votre rôle ? Ouais, bah parce qu'en fait, le personnage que j'ai dans le film, il s'appelle Souleyman. Et moi, en vrai, je m'appelle Franck, déjà. Et si je peux dire qu'on se ressemble, moi, je dirais pas vraiment. Mais oui et non d'un côté, parce que il peut m'arriver des fois de m'emporter comme ça et faire n'importe quoi et tout. Mais bon, ça n'arrive pas souvent, quoi. Donc, Souleyman, c'est un gars qui est... Comment dire ? Je trouve pas le mot. Un peu vif ? Un tout petit peu trop vif, en fait. Un petit peu révolté ? Ouais, c'est un rebelle, en fait. Enfin, pour moi, je vois ça comme ça. C'est le gars qui veut pas qu'on lui impose des choses. Il veut faire ce qu'il a envie de faire et tout. Donc, selon le film, c'est ce qu'il fait. Donc, voilà.